C'est une formation qui se passe en pratique. On appelle autrement dit « learning by doing », c'est-à-dire faire apprendre les gens en pratiquant. Et cette formation, c'est beaucoup plus basée sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications. Le taux de malnutrition est encore élevé puisque la prévalence elle est autour de 6,4%. Chaque enfant qui va quitter sa maison avec son parent pour se rendre dans n'importe quel centre de santé du Mali, qu'il puisse avoir sur place un personnel qui est vraiment qualifié dans la prise en charge de la malnutrition à travers la formation qu'il a eu à bénéficier au niveau de l'UDENI École de Douala dont nous sommes aujourd'hui. Notre objectif, en voulant réduire le taux de malnutrition des enfants et surtout le taux de mortalité lié à cette pathologie, nous voulons faire une prise en charge de qualité au niveau des différents districts